Amis du Scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Real Scrap. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire la suite de la vidéo avec les applications, avec toutes les perforatrices rondes de chez Globeland. Et puis, en cherchant des idées, et ben en fait, j'en ai eu une où j'ai mis des ronds pour faire en fait des embellissements. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, tiens, ça fait des oreilles, il y en a une bouche. Donc j'ai décidé de faire des personnages et puis de fil en aiguille, c'est même plutôt des animaux. J'ai réussi en fait à trouver des solutions pour faire des petits animaux un peu caricaturés, rien qu'avec des ronds et quelques traits au stylo bic, mais rien de méchant, mais surtout que des ronds avec les quatre qui sont là, qui font partie du lot que je vous remettrai dans la description si ça vous intéresse, plus une perforatrice de bureau pour avoir vraiment des tout petits ronds, des fois je vais en avoir besoin. Sorti de ça, bah, c'est que du matériel simple, hein, de la colle, des ciseaux. Dans le matériel un petit peu moins simple, il m'a fallu des ciseaux crantés. Alors, il n'y a pas forcément ce dessin-là, mais quelque chose qui fasse un peu onduler. Des trombones, parce que c'est pour faire des paperclips. Oui, je vous ai dit en fait des animaux, mais c'est aussi des animaux qui vont servir à faire des paperclips. Donc, j'ai pris des trombones de bureau. Tout ce qu'il y a de plus ordinaire et moche pour vous montrer à quel point on peut se servir de pas grand chose. Donc il y a ça qui sort un peu de l'ordinaire. Et puis j'ai eu besoin de petits pistils pour faire les fleurs. Donc du coup le petit pistil, je l'ai barbouillé en noir avec un feutre indélébile. Et sorti de ça, il m'a fallu un petit peu de scotch, une petite peinture blanche, mais n'importe laquelle. Là, j'ai pris une petite peinture 3D parce que c'était plus simple de mettre la petite goutte. Mais de la peinture acrylique fait tout à fait l'affaire. Des pinces, de la colle, et puis des ciseaux normaux. Et puis, on a à peu près tout le matériel qu'il nous faut ici. Je voulais vous montrer un petit animal, mais est-ce que je spolie? Allez, je vous le montre vite fait. On va faire des choses comme ça. Allez, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, pour commencer, j'ai fait plein de ronds dans tous les sens. Donc, ça m'a permis de m'inspirer. Donc voilà, j'ai plein de ronds hein, de toutes les couleurs, toutes les grandeurs. Il y en a qui sont coupés à la moitié, d'autres qui sont coupés avec les ciseaux cranteurs. J'ai vraiment repris aussi des ronds que j'avais tamponnés sur la vidéo d'avant. Il y a de tout. Et du coup, vous voyez là, par exemple, eh ben, j'ai les prémices de ma grenouille. C'est pas forcément celle que je préfère, mais comme elle est là, on va la commencer. Pour faire la grenouille, j'ai pris un rond vert, à chaque fois c'est un petit carton, hein. Un rond vert dans, je vais les approcher pour qu'on voit les dimensions, dans celui-là, et deux ronds verts dans celui-là. Alors quand je dis celui-là, je vais vous donner les dimensions une bonne fois pour toutes. Le grand, il fait 3,8 cm, c'est en inch, hein, c'est pour ça que ça tombe mal. Le moyen, il fait en gros 2,5. Le petit, il fait 1,5. Et le tout rikiki, c'est un qui donne ça. Ça fait 7 mm, presque, oui, 7, 8. Plus forcément le confetti de bureau hein, que vous connaissez bien. Lui, il fait 5 mm. Voilà. Alors, du coup, j'ai pris le moyen, deux petits. Il va me falloir aussi du vert beaucoup plus cru, un peu vert jaune. Je refais deux tout petits dedans. Non, un seul me suffira puisque je vais le couper en deux. Donc, comme je vous le disais, on va le couper en deux. Le plus à la moitié possible. Tac. Et là,
je vais venir les coller. Je prends de la colle blanche hein, parce que comme c'est du carton, c'est à mon avis ce qui est le plus approprié pour que ça tienne bien. Donc je viens le coller sur... J'ai oublié un truc parce que celle qui est là-bas, la petite paupière, je vais appeler ça la petite paupière, elle est un peu plus petite que là. Donc je vais essayer autrement, c'est-à-dire je vais prendre un petit rond noir, je vais le coller. Et puis je vais le glisser un petit peu dessous. Hop. Ça va peut-être pas faire les mêmes yeux. Je vous montrerai l'autre après. On va essayer de faire ça comme ça. Il me faut un petit rond noir là. Oups, ça s'ouvre. Je l'appuie pas trop, je le colle, mais je l'appuie pas comme ça. Ça me permet après de remettre un peu comme il faut. Que je fasse les deux mêmes quand même, ce serait bien. Elle a l'air bien fatiguée celle-là. Elle a fait la fête. Vous allez en voir une qui a dormi, l'autre qui a fait la fête. Et puis, on va mettre des petits ronds. J'aurais peut-être dû le faire après parce que quand je vais coller, je m'en mettre plein les doigts vu que c'est loin séché. Je mettrai après. Là, il va me falloir le rond moyen. Et puis, je vais venir mettre ma colle juste un peu là. Pareil ici. Je les mets en haut. À 2-3 mm l'un de l'autre, légèrement en biais comme ça. Et puis je reprends un rond de cette dimension là et puis je l'entame un petit peu, je prends un petit peu moins que la moitié. Je vais même le faire encore un peu plus fin. Après c'est en fonction de vous, ce que vous ressentez aussi. Hein. Je ne vous donne pas de mesure parce que finalement, on peut changer les expressions. Là, elle sourit. Là, elle est dubitative. Allez, je vais la faire sourire. Il me faut mon petit bic noir. Et puis, je vais lui faire deux petits trous de nez. Que ça soit plus noir que ça. C'est peut-être mieux avec une petite pointe de feutre fine parce que c'est vrai que le bic, je sais pas si c'est l'idéal. Voilà. J'ajuste un peu son regard. Je l'ai moins accentué. Les yeux sont pas pareils. On va lui mettre son dernier œil. Tac. Ils sont trop gros ses yeux. Voilà. Alors là, j'ai ma petite grenouille. Alors, je vous en ai fait une qui avait l'air un petit peu plus éveillée. Alors comme celle-là, elle n'est pas sèche, on va les laisser de côté. Et puis je vais vous montrer comment je mets mon paperclip là-dessus. Alors cet animal-là, le rond de base, c'est le moyen. Donc forcément, là, ça risque de dépasser un petit peu. Mais les autres animaux, j'ai fait la base de la tête avec le plus gros. Alors il va me falloir un rond comme ça pour derrière. Et puis... les deux petits. En fait, il me faut un exemplaire identique de ce du grand diamètre là et le diamètre qui vient juste après. Donc, je les mets
en bord à bord, comme ça. Et je viens mettre dans le trombone, forcément le grand trombone côté grand rond et petit trombone côté petit rond. Ensuite, je vais prendre côté grand rond, je mets de la colle. Et je viens mettre ma grenouille hop, dessus. Alors forcément, là, le rond, il est un peu petit et ça a du mal à coller. À la limite, à la colle chaude, hein, ça va plus vite. Moi, je vais mettre des pinces. Voilà. Et puis là, on va mettre la colle sur le petit rond, en faisant attention de ne pas en mettre sur le grand, parce que sinon, après, la pince, elle va être collée et ça ne va plus marcher. Et hop, le petit rond, comme ça. Et c'est là que les pinces interviennent. Tac. Et on laisse sécher, comme ça. Voilà. Alors, j'en ai fait une plus grande. Mais la grenouille en grand, je trouve qu'elle rend moins bien qu'en petit. Donc, bon. Un que j'aime beaucoup. C'est parti de mes préférés, celui-là. C'est le koala. Voilà. Alors, lui, il est sympa. Facile aussi. Donc, il me faut un grand rond gris. Il me faut des ronds moyens en blanc cassé. Le petit en blanc cassé. Alors là, par contre, j'en ai pas. Je vais en fabriquer un du coup. Je vais pas prendre du blanc cassé, je vais carrément prendre du beige. Ça va me faire deux animaux un petit peu différents comme ça. Donc il va m'en falloir 3. C'est là que mes ciseaux crantés interviennent, c'est-à-dire que je prends le petit rond et j'enlève une petite partie, c'est-à-dire beaucoup moins que la moitié. Comme ça. Ça donne quelque chose comme ça. Je tâche de faire les deux mêmes. Je les superpose et je vise mes crans au même endroit. Ou encore, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre les deux ronds l'un sur l'autre et puis les couper en même temps. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir exactement la même chose. En tout cas, là, on a l'intérieur de nos oreilles. Les oreilles sont faites avec des moyens. Donc, des gris moyens, j'en ai deux là. Voilà. Je vais déjà commencer par coller l'intérieur de mes oreilles. Je le mets pas centré. Là, mon rond, il est mal coupé. Je vais le mettre vers l'intérieur. Comme ça, il se verra pas. Donc, je le mets à 1 ou 2 mm du bord ici. Comme ça, il est décentré. Je vais forcément faire la même chose pour l'autre. Alors, il nous manque son nez. Alors, son nez, c'est fait aussi avec les perforatrices, mais forcément, on a un petit peu triché. Alors, on prend la petite. Il me faut un rond noir. Et à partir de là, je reprends mon rond et je ne peux pas le rentrer avec mes doigts. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait du scotch. Donc je prends une dizaine de centimètres, je viens coller juste le bord, comme ça,
je le retourne, hop, et puis je viens le remettre juste par-dessus. Hop, là, c'est une poignée, on s'en fout. Donc ça donne ça, ce qui me permet de le tenir et d'aller viser juste, alors hop, je vais prendre ça, juste le bord pour avoir, comme c'est noir on voit pas bien, mais pour avoir juste une petite partie fuselée, c'est-à-dire ça. Comme ça, là, on a le pif. Il nous faut deux joues. Alors, les joues, c'est fait avec la perforatrice de bureau et du rose. Oui, c'est ça. Je crois que j'ai eu un doute. Tac. Voilà, j'ai mes joues. Les yeux, c'est pareil. J'en ai un là. Il m'en manque un. Je vais refaire un petit rond là-dedans. Tac. J'ai mes yeux. Et ben, j'ai tout ce qu'il me faut. Il n'y a plus qu'à assembler. Donc, le bout de nez. Je mets un petit point de colle au bout. Je viens juste le mettre sur le museau. À un petit peu plus haut que la moitié. Vous voyez, la moitié est à peu près ici, je vous mets un peu plus haut. Je le mets bien perpendiculaire au bord du rond. Hop, je vais pouvoir coller tout ça sur la tronche. Sur sa trombine. Donc je le mets en bas à peu près 5-6 mm du bord. Ensuite, je lui place ses yeux de chaque côté de son nez, c'est-à-dire à peu près en face de la pointe. La goutte d'eau est en face de la pointe, mais du coup, l'œil est un peu en dessous. Hop, on va les mettre à la même distance. Donc, je les mets à 3 mm du pif. Voilà. On va lui mettre ses joues. Donc, on les met sous les yeux, mais un peu décalés, c'est-à-dire à 1 mm du bord de sa tête. Petit père, il lui faut une bouche. Alors je pars du bas de la pointe, je descends, je fais un trait tout simple, et là je refais une petite virgule à gauche et à droite, comme un petit hameçon, comme ça, vraiment tout simple, ça suffit pour lui faire prendre vie. Et là je mets un peu de colle sur le bout des oreilles, donc la partie opposée du beige. Et puis je viens le coller derrière. Hop. Et puis là, il y a à peu près 1 cm entre les deux oreilles. Et puis je les rentre légèrement de façon à ce que ça colle. Oups. Ah. Je fais en sorte de bien les mettre avec une même inclinaison quand même. Et puis là, il lui manque son regard. On va lui mettre une petite goutte de blanc au milieu. Paf et paf. Voilà, là, il faut que le point blanc il soit quand même assez gros. Bon, je vais être honnête avec vous, je le préfère en blanc cassé. En beige, je trouve que ça fait moins koala. Mais voilà,
on a notre petit personnage. Alors là, je l'ai déjà fait. Là, je ne peux pas trop y toucher parce que si je fais le paperclip tout de suite, il n'est pas sec. Là, il est fait. Je vais vous le montrer sur un autre personnage. De toute façon, c'est toujours le même principe. Donc, on va faire un autre personnage tout de suite. On va faire un ourson. On va faire un basique. Un petit ourson. Donc, il nous faut un rond marron. Un grand. Deux ronds dans le même marron du moyen. Ensuite, il faut deux petits comme ça, roses. J'en ai pas. Pourtant, j'en ai fait des ronds. Ben, j'ai pas ce qu'il faut. Il me faut deux yeux, ce sont des confettis avec la perforatrice de bureau, un œil et deux yeux. Ah, puis le nez aussi, c'est la même taille. Hop. Et le museau, c'est du beige avec encore le petit, donc le même qui a fait le rose de l'intérieur des oreilles. Et voilà, on a tout ce qu'il nous faut, il n'y a plus qu'à assembler. Alors, petit museau mis en bas à peu près à 5 mm du bord. Les oreilles, le rose, on va le mettre aussi un peu plus près d'un côté, on le met à 2 mm à peu près là. On va lui mettre un petit bout de nez sur le haut du rond beige. À peu près à 2-3 mm du bord du haut. Là, je mets la colle sur la partie la plus large. Sur les deux, hein. Et je viens les coller derrière, un peu comme pour mon koala. Sauf que là, hop, il faut que je rentre le rose dessous. Donc je viens à peu près à la moitié de mon rond. Là, le grand rond passe à peu près dans le centre du petit rond. Ah, j'ai pas mis assez de colle. Hein. Pas être trop radin non plus, sinon ça tiendra pas. Et entre les oreilles, il y a 6-7 mm à peu près. Voilà. Et on va lui faire des yeux. Voilà. Donc là, je les ai rapprochés. Je trouve que ça fait mieux qu'ici. Là, il y a un centimètre 2. Là, il y a 8 mm peut-être. J'ai rapproché un peu les orbites. Ça permettra comme ça d'avoir deux têtes un peu différentes. Et je pense que ça peut être mieux que ça. Alors, on va lui donner vie avec des petits yeux. Une petite goutte là et une petite goutte ici. Et on va peaufiner son petit museau en faisant un petit trait qui descend. Et hop, on remonte. Et voilà. Donc là, son œil, il n'est pas d'une grande réussite. Plus, hein.
Et voilà, on a un ours. Merdouille. Voilà, on a des ours. Alors, pareil, comme j'ai refait les yeux, je vais pas faire le paperclip. Mais promis, hein, on va y venir. ensuite, qu'est-ce que j'ai? Là, c'est un autre ours qui est un peu différent. En fait, c'est entre la souris et l'ours, je sais pas trop. Peut-être que si on lui met des moustaches ou des petits points. Et qu'on lui met des moustaches, ça peut donner quelque chose. Ouais, bouf. Je sais pas si je vous l'explique, celui-là. Est-ce que ça vaut bien le coup? C'est un grand rond, le moyen pour les oreilles, le plus petit pour le rose. Exactement le même principe que l'ours, sauf que je les ai mis un peu plus haut et un peu plus près. Le nez, c'est le même rond, sauf que je l'ai collé plus haut. Et le petit bout de nez, qui est là mis sur le côté pour donner un effet de longueur, c'est pas avec la perforatrice de bureau, c'est le tout petit de la série. Là aussi, les yeux sont un peu plus gros. C'est la petite, la toute petite petite de la série. Puis j'ai fait des gros ronds noirs au stylo dessus. Du coup, voilà, ça donne avec quasiment les mêmes choses des personnages différents. Puisqu'on est dans les petits museaux tordus, on va en refaire un autre. Alors c'est pareil, celui-là, le paperclip, il est déjà fait. C'est une taupe, une petite taupe. Alors pour la taupe, j'ai pris un grand rond gris, deux petits ronds noirs que j'ai pas, qu'il faut que je coupe. Voilà. Il me faut aussi un tout petit comme ça noir. Ça c'est le bout de nez. Il me refaut le même comme ça mais dans un ton rose. Oups, ça saute. Et puis qu'est-ce qui me manque? Il me manque les yeux. Alors les yeux, c'est du blanc avec du blanc. Où il est mis blanc là. Avec la perforatrice de bureau. Je lui fais des tout petits yeux parce que comme c'est une taupe, si je lui fais des yeux trop grands, ça ne va pas faire myope. Et puis il me manque ce petit truc là. Alors là j'ai un peu triché, mais bon, hein, c'est comme quand on fait le dessin au crayon, on triche un peu. J'ai pris un petit bout de blanc pareil. Et puis j'ai découpé une petite languette de 2 mm de large sur pour 5 de haut, même pas 5, pour faire un tout petit rectangle, c'est pour lui faire ses quenottes. Alors, on va lui faire le museau. Donc, on colle le rond rose en bas du grand rond gris à peu près à 5 mm à peu près. Ses gros yeux noirs. Alors, on ne met pas la colle jusqu'au bord parce qu'ils dépassent légèrement du rond. On les met près du museau, mais avec un petit débord. Pareil pour l'autre. Il faut qu'ils soient proches les uns des autres. Donc là, ils sont trop loin. Donc en fait, ils sont à un bon millimètre du museau, à 2 mm l'un de l'autre, et que ça dépasse un petit peu. J'ai mis un peu de colle. Voilà. Le petit rond noir pour peaufiner le bout du museau en longueur que je mets sur le côté au milieu, légèrement plus haut. Un petit peu plus. Par contre, avant que ce soit collé, il faut que j'insère les petites dents dessous.
et je les fais dépasser de 2 mm à peu près. Je veux qu'elle soit droite. Voilà. Et puis là, je mets les yeux blancs dans les ronds noirs, mais pas tout à fait au milieu. Je les rapproche un petit peu. Je les rapproche comme ça au milieu. Ça donne pas un effet qui louche, mais on voit qu'il n'a pas forcément une très bonne vue. Voilà. Et puis là, on lui met des gros ronds noirs au milieu. Enfin, pas trop, hein. Faut que ce soit des petits yeux quand même. Non, les petits yeux de taupe, hein, c'est connu. Hein. Voilà. Je vais lui rapprocher un peu. Et il lui manque sa petite touffette sur la tête. Alors, ce petit truc-là, c'est un petit bout comme ça que j'ai récupéré. Alors là, il va falloir que j'en refasse un. Donc, ciseau pointeur, le petit rond gris. Et puis, je le coupe dans le milieu. Je prends le plus petit bout, parce que j'ai un peu foiré le milieu, mais ça m'arrange. Hop, et je le colle entre les deux yeux dessous. Et je fais juste dépasser deux petites vagues. Voilà, ça lui fait une petite touffette sur sa tête. Là, il y a un petit truc qui dépasse, qui va pas. Voilà. C'est vrai que d'un petit personnage à l'autre, eh ben, il faut pas grand-chose pour qu'il n'ait pas le même visage. Là, les dents sont un chouïa plus larges et ben, ça lui change sa tête. Alors, là, le paperclip, il est fait parce que c'était mon modèle fait d'avant. On va le faire là. Alors, je prends un rond noir parce que comme les petits yeux dépassent, d'ailleurs, ils ne dépassent pas de la même manière, ça ne va pas. Hop. Voilà. Donc, un rond noir comme ça. Et puis, il me faut deux autres ronds dans le moyen. C'est pas grave. Alors, un trombone de bureau tout simple, tout moche. Vraiment pas la peine de mettre un beau truc de couleur, de toute façon on le voit pas. Je le mets sur mon grand rond. Je fais en sorte qu'il soit bien centré, bien perpendiculaire, tout ça, tout ça. Et côté grand, hein, et là c'est le côté petit, le côté grand, je remplis là de colle, un petit peu dessus sur les côtés, un petit peu en dessous. Et là, je viens le coller directement sur mon animal, enfin au dos, hein, en m'assurant que ce soit bien centré sur le haut de sa tête pour qu'il soit droit une fois rangé. Et là, je viens glisser un autre petit rond, que j'aurais pu d'ailleurs mettre avant la colle, non. Voilà, un autre petit rond, bien centré. Hop. Et je viens mettre la colle, comme pour l'autre côté, dans le trombone, un peu sur les côtés, et un tout petit peu en dessous. Donc on fait en sorte de pas dépasser sur le grand, hein, parce que sinon c'est catastrophe assurée. Et on vient recouvrir avec l'autre rondelle. Alors, ce qui m'arrive des fois, pour être sûr que la colle ne dépasse pas, je le glisse tout de suite sur quelque chose avant de mettre les pinces. Et après, hop, une pince à gauche. Et une pince à droite. Et on attend tranquillement que ça sèche.
Voilà, là, ma petite grenouille. Elle est faite. Voilà. Alors, la petite grenouille, telle que je vous l'ai montrée, c'est vrai que c'est pas heureux. Là, j'ai fait des petits ronds, mais comme ça dépasse du petit rond, on aurait pu mettre la même grandeur de rond derrière pour que la pince soit plus jolie. Je pense que je le redémonterai pour mettre deux gros ronds, mais le principe est le même. Hein. Bon, bah là, vous avez vu la coccinelle. Hop, on va la faire tout de suite. Alors, pour faire ma coccinelle, il me faut un rond rouge, un grand. Il me faut un grand rond noir. Hop, hop, hop. Mon organisation là. Bon. Ensuite, il me faut. J'ai foutu le bazar. Deux petits ronds blancs avec la perforatrice de bureau. Mon blanc, il est où? Ah bah j'en ai deux là. Hop, impeccable. Et 8, pareil, avec la perforatrice de bureau aussi. Donc voilà. Et c'est pour elle qu'il nous faut les petits pistils. Donc ces petites choses-là qui servent en principe à faire des fleurs. N'importe quelle couleur. Vous allez voir, de toute façon, je vais la barbouiller en noir, donc on s'en fiche de la couleur. Pour ce qui est du gros rond, il faut le retravailler, bah, comme on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va le re-rentrer et faire une forme fuselée. Donc on va le re-rentrer à peu près jusqu'à la moitié, enfin jusqu'au centre, en gros. Hein. Toc. On se retrouve avec ça, qu'on va coller tout de suite. Voilà, comme ça, on a la tête. Je trouve qu'elle est un peu grosse, sa tête, d'ailleurs. C'est un petit peu moins de la moitié. Bon, là je triche, mais vous pouvez de toute façon faire avec la même technique puisque sur l'autre c'est comme ça que j'ai fait, mais il faut pas prendre la moitié. Voilà, il faut aller un petit peu en dessous. Voilà, c'est rectifié. Je vais lui mettre ses yeux. Donc, les ronds blancs faits à la perforatrice de bureau. Je les écarte de 7 mm peut-être ça. 6, 7. De toute façon, vous voyez, parce que en fonction de la grandeur du noir, là, vous voyez, ça fait pas pareil. Bon, bah, on gère en fait. Hein. Je vais lui mettre deux points noirs au milieu. Voilà. Là, je vais à 1 cm du bord ici. Je commence à faire un trait droit pour mon repère. Je pars à 6 millimètres à gauche et à droite et je remonte en biais comme ça, enfin en arrondi plus exactement. Hop. Et je colore l'intérieur. Voilà, comme ça là ces jolies petites ailes.
mettre un peu sur un papier parce que mon tapis il va morfler. Voilà. Et à partir de là, on va lui mettre ses grains de beauté. Je vais prendre un petit bout de papier. Je verrai mieux ce que je fais avec ça. Alors, j'en mets un à peu près dans les coins là. J'en mets un triangle et le dernier dans le petit creux qui reste. Voilà, je les appuie pas complètement, comme ça je vais venir faire des petits réglages. Voilà. Les petits pistils. Je prends un feutre noir. Hop, je barbouille d'un côté puis de l'autre. Je finalise les petites boulettes du boule. Là, je les plie en deux. Un petit bout de scotch, tout petit. Hein. C'est pour maintenir en attendant que ça sèche bien, parce que comme c'est un peu récalcitrant, c'est pas toujours évident. Alors le haut est ici. Je fais un V de colle. Je les amène, je les fais dépasser de 2 cm à peu près. Ah. Et je règle. Mon scotch dépasse. Voilà. Là, ça manque un peu de noir. Et une coccinelle. Celle-là, la pince est faite. Donc, pour le dos de la coccinelle, je mets un rond noir. Allez, descends. Et deux petits. Je fais tout en noir. On pourrait le faire en rouge, mais comme le dos est noir, allez, hop, tout en noir. Je prends un trombone. Je sais pas s'il m'en reste. Je vais aller en chercher. Aussi prendre ceux-là, parce que jusqu'à maintenant j'ai pris les plus fins, mais je vais essayer avec un plus large pour voir si ça marche bien. Hop, je le mets bien. Je vais mettre l'autre rond tout de suite, donc côté petit,
C'est facile, hein, le petit sur le petit, le grand sur le grand. Voilà, donc en fait, on a ça. Le petit, il est là. Là, le grand. Côté grand, on met la colle. On vient mettre le haut du trombone entre les antennes. On s'assure qu'il est droit. Bon, pour l'instant c'est pas très bien collé, mais on va faire ça mieux avec les pinces. On met la colle sur le petit rond sans dépasser toujours. Comme il faut dessus. Je vais prendre un bout de carton, enfin n'importe quoi, hein, c'est pour le clipser. Ça me permet de protéger entre les deux ronds pour pas que la colle vienne nous embêter. Et on met les pinces. À gauche et une à droite. Alors la coccinelle c'est fait. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste un cochon, un singe et une souris. Par quoi on commence? Allez, on va faire un petit cochon. Petit cochon. Il me faut un grand rond rose. Grand rond rose. Alors c'est vrai que les petits personnages sont un peu enfantins, mais l'avantage c'est que c'est simple à faire et qu'on peut justement faire un atelier avec les enfants pour pouvoir les distraire vu que c'est les vacances, ce sera le bon moment. Alors il me faut du rose foncé. Alors moi je ne m'embête pas hein, pour le cardstock, hein, voyez, moi je tape dans des cartonnettes de la bonne couleur. Il faut 3 petits ronds roses comme ça. Il faut 2 ronds de confettis de bureau noir. Et puis il me faut, alors là on va tricher un peu, il me faut des chutes. C'est un rond rose qui est pris dans celui-là, le moyen. Voilà. Et là, il faut qu'on refasse le petit nez avec la méthode du scotch. Donc, on va remettre un petit bout juste au bord. Et on vient replier. Hop, on a notre poignet, on peut reprendre la perforatrice et on va venir faire notre forme. On vise pour avoir à peu près le bon gabarit. Hop. Ça, on n'en a plus besoin. Et voilà, on a notre museau. On a nos oreilles. Bon, on va coller les oreilles. On les fait pas beaucoup dépasser. On les met à peu près à 1 cm l'une de l'autre. À ce stade-là, ça a tout l'air de tout sauf d'un cochon. On les rentre bien, hein. Il faut qu'il y ait peut-être 5 mm au plus grand.
on va venir mettre le museau. Hop, on le met en bas à 8-9 mm du bord, pas un centimètre en tout cas. On va prendre notre petit demi-rond là et on va le couper. On va faire un peu comme une part de gâteau, mais il y a un côté légèrement plus, plus petit que l'autre. On va prendre ce morceau là, donc ça, et on fait la même chose par là. Voilà. Voilà, j'ai mes deux oreilles. Je mets de la colle, sauf sur la pointe. Et je vais venir le mettre sur l'oreille. Comme ça, par-dessus la tête. Et je colle pas le bout exprès, comme ça, ça rebique un petit peu. Et il y a un petit peu plus de 3D. Et les yeux, on les met au bout des pointes des oreilles. Voilà. On les met à peu près 6 mm à peu près là. Écarter un peu encore et remonter un peu. Là, il faut faire deux gros points noirs pour le groin et les petits points blancs pour les yeux. Et voilà un cochon. Alors lui, je peux pas faire le, je peux pas faire le paperclip, il est pas sec, mais bah, sur le principe, hein, je vais le faire en rose, hein, un grand et puis deux moyens. Et à la limite, on peut remettre un peu de rose au dos si on veut que ce soit propre, pour que tout soit rose quand on le retourne, pour que ce soit propre à l'œil, que ce soit joli. Allez, on va mettre le cochon ici. Le singe. Alors lui, il me faut un grand gros marron. Et deux moyens. Toujours marron. Dans le petit, il me faut 3 beiges. Et il me faut 2 roses. Mon papier rose. Mon carton, parce que c'est pas du papier. Hein. Voilà. Il me faut des tout petits comme ça, noirs aussi. Il m'en faut 2. Et puis, voilà. Alors, on va prendre les petits ronds roses. On va les en coller. Et on va les mettre pour laisser 6 mm, hein, donc on le décale comme ça. Là, il n'y a qu'un millimètre ici et à peu près 6 par là. Je vais faire la même chose forcément pour l'autre. Voilà. Alors, on va lui mettre un museau. Dans le rond beige. On en
J'aurais d'ailleurs dû commencer par les yeux, parce que les yeux font dessous. Donc, on va le glisser en dessous. Hop. Je le placerai mieux après. Hein. Parce que comme il faut aussi que je mette les petits yeux noirs, et il faut que ça passe dessous aussi. Donc, on va tout placer. Les deux ronds des yeux se chevauchent un peu. Sont à 1 mm du bord de la tête. On lui colle les yeux. Hop. Et on vient le placer légèrement sous le museau. Alors, on les écarte un peu. Et on appuie. Voilà. Ensuite, on va coller les oreilles. Donc là, on met la colle du côté où c'est le plus près du bord. Et on vient le mettre de chaque côté de sa tête, mais bien sur les côtés. On ne les met pas trop haut, sinon ça va faire un ours. Ça ne va pas faire vraiment un ours, mais ça ne va plus être vraiment un singe. Et on les rend tracés, parce que les oreilles ne doivent pas être trop rondes. Voilà. Et on laisse à peu près 5-6 mm de rose. On essaye d'être symétrique. On va lui faire un nez avec deux petits points et un beau sourire. Voilà. Reste à lui mettre ses yeux. Oups là. Et là, je reprends un petit peu de surplus de matière et je fais deux petits points sur les côtés. Voilà, c'est pour la brillance. Et ça donne ça. Voilà les singes. Bon, maintenant on va faire un papillon. Alors celui-là, je ne l'ai pas, je vous le montre pas d'emblée parce que je ne l'ai pas construit. Je l'ai juste dans la tête. J'espère que ça va bien rendre. On va le faire en même temps. Ça fera du crash test. Alors, pour avoir cette pièce-là, j'ai pris un gros rond que j'ai remis, hein, c'est toujours le même principe dedans, et j'ai fait quelque chose de vraiment sur le bord, quelque chose de vraiment très très fin, et du coup je me retrouve avec une pièce comme ça. J'ai pris deux ronds rose assez fuchsia avec le moyen et deux roses claires avec le petit. Donc on va coller la pièce noire. Sur le rond, on va faire dépasser un petit peu le bord là aussi. Alors là, je pense qu'il faut qu'il soit chevauché. On va les remonter un peu. Calera mieux ça après. Je mets un peu de colle sur le bord de mon rose. Je vais venir le coller en dessous.
Alors, c'est pas parfait. Je vais rentrer un peu mes roses. Les mettre un peu plus petits. Les Voilà. J'ai mis mes ronds roses assez rentrants, hein. Ils sont vraiment superposés. Je les ai remontés un peu comme ça, mais le petit bout de noir ici dépasse légèrement. C'est vraiment léger, mais ça dépasse. Et puis j'ai mis les ronds roses sous les ronds rose foncé, mais je les ai mis à ras de la petite queue noire, mais pas en dessous. Comme ça, ça reste indépendant. Là, par contre, je ne sais pas si la caricature pourra faire des yeux, ça m'étonnerait. Et puis, pour que ça ressemble vraiment à un papillon, j'ai pris des petits pistils. Et puis, bah, le bout des pistils est de la couleur de mes ailes, donc je ne vais pas les changer. Par contre, je vais mettre du noir sur la petite ficelle. Voilà. Alors, je les plie en deux. Puis je vais venir les caler là-dessous avec un petit bout de scotch. Bon, c'est un peu grand ça. Alors, donc, les pistils sont du côté des gros ronds roses. Je vais les écarter quand même moins que pour la coccinelle. Par contre, je vais peut-être les faire plus longs. Oh. Pas beaucoup plus longs. Voilà. Bon là, par contre, pour ce qui est des yeux, non. Hein. On aurait peut-être pu décorer mieux les ailes. Hop là. Je vous parle pas trop, je réfléchis parce que je sais pas ce que je vais vous amener là, mais ça me semble pas mal. Bon, c'est un peu collé maintenant, j'aurais pu y penser avant, mais c'est peut-être plus sympa. Ça fait un peu plus ouais. Donc j'ai remis les mêmes ronds en haut et puis je les ai glissés légèrement sous le corps et puis ils sont mis à ici à un petit millimètre. Ouais, voilà. Bon bah voilà un papillon. Alors là, bah, pour ce qui est du paperclip, si on met un gros rond, ça va se voir, c'est vilain. Donc là, je pense que l'idéal, ce serait de le faire avec deux comme ça. Bon, on va essayer de le faire ensemble, celui-là, parce que comme il n'est pas réussi, il n'est pas gagné. Il n'est pas gagné du tout. Alors, on va prendre de la colle. On va rassembler les deux ronds noirs qui sont de la taille des ronds rose foncé. Donc, le moyen.
On va venir superposer avant que ça prenne pour avoir la bonne dimension. Voilà. À partir de là, on va mettre le trombone à cheval sur les deux, si ça veut bien. Voilà. Forcément, ça va dépasser un petit peu. Et là, on peut pas mettre le gros rond. Là, on aura quelque chose comme ça. Ah oui, c'est vrai, je les ai présentés, mais je les ai pas collés. Évidemment que ça tient pas. Alors, on en était là. Le grand vers la bestiole, le petit. Si je remets un rond comme ça, ça dépasse pas. Donc, on va pouvoir reprendre deux ronds moyens. Une fois un autre. Celle-là, elle n'était pas prévue comme bestiole, mais voilà. Donc, je vais remettre un rond comme ça. Ce qui fait que là, j'ai trois ronds. J'ai les deux ronds qui sont collés l'un sur l'autre à la même dimension que les roses foncées du papillon. Après, j'ai mis mon trombone sur les deux ronds collés. Et derrière la plus petite partie, j'ai reglissé un rond qui donne, ça donne ça en fait. Voilà. À partir de là, on va pouvoir coller. Donc là, je fais attention de ne pas mettre la colle sur celui de par là parce qu'il dépasse un chouïa. Je vais mettre la colle juste sur les deux ronds qui sont de chaque côté. Un petit peu au milieu, mais pas jusqu'en dessous parce que là, on voit celui de derrière. Je vais venir l'appliquer sur mon papillon. Tac. Et là, je vais mettre la colle juste sur le troisième rond qui est centré derrière. Alors, pour ne pas être trop au bord et dépasser, je préfère mettre la colle sur celui-là. Hop. Et je viens le mettre dessus. Et voilà, paperclip fait. Alors, on va prendre un petit bout de carton. On va le glisser. On ne se trompe pas. On vient le glisser sous les deux ronds. Tac. Là. Une pince, on fait attention aux antennes à gauche et à droite, et on reviendra tout à l'heure. Bon, alors ce papillon là c'était pas prévu, il nous reste plus qu'une petite bestiole à faire, c'est la petite souris. Alors la petite souris, il nous faut un grand gris, deux gris moyens. Alors je sais pas si j'en ai encore, j'en ai un là, il m'en faut encore un autre, voilà. Deux petits roses, là j'en ai pas. Il me faut deux tout petits riquiquis noirs.
des petits riquiqui noirs. Il en faut deux, trois même, parce qu'il y a le museau. Et il faut un beige dans le petit. On s'entend bien, ce que j'appelle le petit, c'est le troisième. Parce qu'il y a le grand, le moyen, le petit et le tout pétio, le riquiqui. Alors là, il m'en faut un beige. On va commencer par les oreilles. On va mettre le rose à l'intérieur des oreilles grises. Là, je le mets tout près du bord, hein. Je fais à peine un millimètre. Bien entendu, je fais attention que ce soit égal à gauche et à droite. Hein. Je vais mettre un bout de nez. Sur le museau, donc, tout en haut du rond, à peine un millimètre. Le museau, je vais le coller directement sur la bouille de la souris. C'est quasiment dans le milieu. Légèrement plus bas, mais c'est pas loin du milieu. Il faut pas trop coller fort parce que je vais glisser un peu les yeux derrière. C'est un peu comme le singe, en moins. Hop, on va glisser un peu dessous. Voilà. Alors, on les met à peu près à 5-6 mm l'un de l'autre. On les glisse sous le museau, mais pas beaucoup. Voilà. On va venir coller les oreilles de chaque côté. Dans le prolongement des yeux. Assez haut sur la tête. Les oreilles assez grandes, hein, on en laisse beaucoup. Et là, entre les oreilles, on va les rapprocher de façon à avoir 3-4 mm. Qu'elles soient bien hautes sur la tête, bien grandes. On ne prend pas grand chose. On pense à Mickey. Voilà. Et là, on va venir lui dessiner un visage, c'est-à-dire deux petits traits obliques au-dessus de chaque yeux. Voilà, je ne l'ai pas bien mis. Il n'est pas au bon endroit. Bon. Un petit sourire, mais pas aussi grand que le singe, hein, quelque chose de tout petit. Et là, on va partir du milieu, on va faire un trait un peu plus court, on part au-dessus en biais un peu plus long, et là, pareil. On en fait un droit, on part un peu plus long. Voilà. Je vais faire un peu plus longue. Il ne reste plus qu'à lui faire des yeux, pas trop gros, enfin, le point blanc pas trop empâté. Et voilà. Ah oui, j'avais fait une petite brillance sur le coin de son nez aussi. Pas vraiment dans le milieu, hein, légèrement décalé sur la droite.
C'est pour donner un petit effet de lumière. Hop. Et voilà. Bon, j'ai un peu foiré les moustaches, mais sinon, voilà le résultat. Les oreilles sont un petit peu trop éloignées, je trouve. Ouais. Il faut qu'elle soit quand même assez proche. Hein. Et voilà ma souris. Bon, je ne vous refais pas le paperclip. Hein. Celui-là, c'est un rond, il est assez facile. Hein. On le fait exactement comme d'habitude. Hein. Donc, si on résume, on prend un rond, un autre plus petit. On met le trombone sur les deux avec la partie petite sur le petit, la partie grande sur le grand. Et à partir de là, on colle sur l'animal et là, on colle avec un autre petit. Et on a notre paperclip. Tout simple, hein. Ça rend bien. Bon, forcément, c'est pas le scrap vintage qu'on a l'habitude de voir, mais comme là, c'était les vacances et qu'il faut occuper les enfants, bah, j'ai trouvé que c'était assez enfantin. Donc voilà, comme j'ai eu cette idée-là, c'était pas prévu. Parce que je cherchais des applications pour mes ronds, et puis bah voilà. Donc là, avec les petites bestioles. Donc lui, il doit être sec. Oui. Nos singes. Ah mince, là le singe il avait pas les yeux secs. C'est long à sécher ces trucs là. Je mettrai de la véritable acrylique blanche parce que en plus c'est un peu nacré, c'est pas terrible. Voilà. Nos petits singes, nos petites taupes, nos petits cochons, les petites grenouilles. On avait trois des grenouilles. Bon, c'est pas grave. Ah ben oui, elle est là. Une petite grenouille. Bon, ben mine de rien, on a fait 10 petites bestioles. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a même peut-être amusé, parce que c'est plus amusant qu'esthétique, mais je vois le koala qui est quand même, enfin je trouve une belle réussite avec la souris. Et bah ça, dans un album bébé, ça a tout à fait sa place, donc pourquoi pas. Mais en tout cas, pour distraire les enfants pendant les vacances, je trouve que ça peut être une petite occupation sympa. En tout cas, ça c'était donc la 7e application avec tous mes ronds. Je voulais faire de 1 à 6, de 7 à 10 et jusqu'à 20. Mais là, il a fallu faire vraiment une vidéo unique pour ça parce que c'était un petit peu long vu qu'il y avait 10 bestioles. Donc ça, c'était l'application 7 avec toutes les perforatrices Globeland. Donc si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir avec des petits pouces. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour éventuellement être mis au courant si moi je mets autre chose en ligne, ne serait-ce que la suite, hein, parce que ça va pas s'arrêter à 7. Je vais aller jusqu'à 20 pour les applications. Je sais pas si je vais trouver, parce que je les ai pas toutes encore en tête, mais je me suis donné le défi de trouver 20 applications avec les perforatrices. En tout cas, bah, en attendant toutes ces vidéos à venir, moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Thank you.